As-su'al al-khamis, la cinquième question. Et la cinquième question, elle va être encore la suite de ça. Parce que maintenant qu'on sait ce que c'est une ibada, il y a une question qui se pose. Cette question, c'est mata yakunu al-amalu ibada. Quand est-ce que, lorsque tu fais une chose, cette chose-là deviendra une adoration, une ibada? Puisque maintenant on sait ce que c'est une ibada, comment on va différencier? Moi, si je prends un verre d'eau et je bois, ou si je te serre la main, comment je peux savoir si ça c'est une ibada ou pas? C'est une adoration ou pas? La réponse, il nous dit, al-jawab, إذا كمل فيه شيئان وهما كمال الحب مع كمال الذل. Il nous dit, l'acte qu'on fait est une adoration, une ibada, lorsqu'il y a deux choses dedans. Quelles sont ces deux choses? L'amour complet et l'humiliation totale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu fais cette chose-là, lorsque tu fais ta prière, tu l'as fait en aimant Allah, tabaraka wa ta'ala, complètement. Tu l'as fait parce que tu aimes Allah, subhanahu wa ta'ala. Ta zakat, quand tu la payes parce que tu aimes Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand tu fais le pèlerinage, al-hajj, tu le fais parce que tu aimes Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'Allah t'a demandé de faire, quand tu le fais parce que tu l'aimes. Et tu l'aimes complètement. Tu ne l'aimes pas un peu, alaykum salam. Tu l'aimes complètement, subhanahu wa ta'ala. C'est le seul qui a ton amour total, qui a ton amour complet, c'est Allah Azza wa Jal. La deuxième chose que tu dois avoir quand tu fais une ibada, kamal dhul, c'est-à-dire que tu dois t'humilier totalement devant Allah. Ça veut dire que tu fais cette chose-là parce que tu aimes Allah Azza wa Jal, et en même temps parce que tu te sens, alaykum salam, faible devant lui. Tu te rabaisses devant lui parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a donné tout ce que tu as. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Ô vous les hommes, vous êtes les besogneux envers Allah. C'est vous qui avez besoin d'Allah totalement. Vous êtes faible, vous êtes bas, vous êtes humilié. Vous avez besoin d'Allah, vous pouvez pas vous passer d'Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Et Allah est celui qui est riche, il n'a pas besoin de vous. Hamid, digne de louange. In yasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allah bi 'aziz. S'il le veut, il vous efface. Il vous fait disparaître et il vous fait remplacer par une autre création et cela n'est pas difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette cinquième question, on la reprendra la semaine prochaine inshallah.